Bonjour, je m'appelle Miro Savalaba, je suis artiste et journaliste et je fais ici un projet qui s'appelle Robert Walzer 415. Ça veut dire que une lecture, une phrase, un tableau. Donc je représente, j'interprète un tableau sur la base des mots ou de la phrase qui figure à la quatrième page de la quinzième ligne que Jacqueline Alaba-Prébendier va lire durant une heure, durant cette heure-là. C'est un projet, c'est le tableau que je fais ici, c'est le 26e tableau que je fais. Alors je m'arrête à ce projet, Robert Walzer 415 heißt, das bedeutet, dass ich interprétiere le Satz, das Wort, die Jacqueline Alaba-Prébendier liest. Und 415, das ist eine Referenz zum Geburtsdatum von Robert Walzer. Er ist am 15. April geboren. Alors que je traduisais les mots, qui me laissent la vie, en compagnie des semis que j'ai mentionnés et des jugés à son œuvre, et différenciés par fusion de lignes, ou passant à côté d'un groupe de gens ici, qui semblait être visibles. Il se pourrait, vu l'absence d'un médicaliste et qui caractérise le présent travail, qu'une jeune fille se soit trouvée dans le petit sac que je prenais, en compagnie de semis qui était en quelque sorte ma visite. Je ne sais ni où ni comment la femme chez laquelle je vis, disons en meublé, était là, en face de nous, bizarrement molle et légère. On aurait dit qu'elle consistait en quelque chose de flottant. Elle était un tableau doué de mouvement. En rêve, une certaine ressemblance avec je ne sais qui me frappa chez elle. Évidemment, les italianismes, etc. Les paroles sont difficiles à cerner. Les choses difficiles, à mon avis, sont à exécuter rondement et vivement, plutôt qu'à analyser, c'est-à-dire expliquer. Mon compagnon, curieusement, s'installa chez moi sans me dire. De temps en temps, ses mains exprimaient quelque chose au moyen d'un petit signe qui avait l'air de ressembler à un mot. Lorsque je dis qu'il me semblait le connaître, j'exprime une impression étrange. Avait-il quelque chose à me dire ? Ou avais-je moi quelque chose de capital à lui dire? C'est alors que je l'ai donné. Ce qu'il advient de moi. De naissance, je suis un enfant de mon pays, superbe. Je vais me croire à lui dire que. Merci, danke.